Salut. Salut. Bonsoir. Quand il déchire mes voiles et qu'il brise la coque de mes bateaux, il provoque des scandales et il provoque des idiots. Une simple histoire de jeu de balle, une simple histoire de bibelot veulent intégrer l'homme animal dans toutes les sortes de tableaux. Que des clichés sur clichés revisités. Que des cachets cachés pour les télés. Des voix, des issues pour ceux qui n'en ont pas, des votes à notre insu, nous mènent à des débats. Entre la droite et son extrême. Y a-t-il un pacte ou ont-ils le même dilemme? Dilemme. Faut-il remuer la merde ou se contenter de la bouffer? Mais qui propose un stratagème pour reprendre des kilos? Peut-être la parole et le poids des mots pour s'imposer dans leur débat, car la peine des hommes veut persister, beaucoup trop succombe à leur destinée. Et non, non, ni trône ni roi pour changer ça. On dénombre des clones, partons des rats trop gras. Qui se gavent et se gavent des pauvres et des gens, de ces gens qui manqueront de tempérament. Oui, nos dirigeants ne militent que pour leur pensée, oui. Ils ne font pas, c'est pour des poires. Je me demande à quoi ils pensent quand ils se voient ou s'entrevoient dans leur miroir. Oui, veulent nous faire croire que l'immigré galère et veut galérer de son plein gré, alors qu'il écope de mille portes qui l'ont claqué dans le nez. Les miennes, l'ultime porte à emporter hors de son pays. Mille et une portes, tu pourras compter pour mille et une vies. Et je fais des comptes, je pense aux comptes des mille et une nuits. Ouais, les nuits. Et moi, la nuit, comme toi, je rêve, non pas d'une trêve, mais d'une autre vie. D'une autre chance de recouvrer la lumière de l'esprit. Non, plus d'exil, y'a plus de mobile, mon pays, c'est ici. Et je revendique ma politique d'un ton décisif et précis, je prie mon esprit de rester vif, malgré ce que l'on en dit. Malgré ce que l'on en dit, je reste intègre, face à la peur, ou face au juge des grandes instances, des grands instants, qui relancent sans cesse le sens de mon impertinence. Et que les mots justes fassent enfin justice, qu'ils cessent d'être tributaires de ceux qui auront trop d'appétit ou des slogans publicitaires. Qui s'accaparent les belles phrases, ils s'approprient la poésie pour vendre plus de bouteilles de gaz, GDF aura mis le prix. Pour qu'explose l'audimat, c'est facile comme deux, ils ne font quatre, des cartes à proposer des cartes qui ne servent qu'aux cartésiens. Je pense donc je suis, non, je pense donc je fuis. L'inquisition, toujours présente, la vérité est belle, mais bien absente. Tout a été dissous, acheté pour dissous dans la levure de bière, mais la levure ne fait plus de bon pain. Je pense à toutes ces cultures à qui on a ôté de leur bouche leur méchant de pain. Je pense à l'Afrique, continent, qui attire les mouches et les chiens, celles et ceux que je sous-entends attirés par la merde des gens. Et on suscite les convoitises, et on fait briller les devises, et l'Africain, nonchalant, finit par trouver l'or le temps long. Trahi par son talon d'Achille, trahi par cette faiblesse qui l'habille, celle qui ne le laisse non jamais de marbre. Et on sait que de fil en aiguille, il s'est éloigné de son arbre. Et il a émigré une fois, il a laissé la vie la foi, son père, sa mère et ses amis vivent à ses dépens parfois. Parfois, les enfants, eux, n'ont qu'un seul sursis, une seule chance de vivre autrement, celle de naître dans un pays où naissent les ressentiments. Et où la rancœur et l'amertume deviennent leur seul condiment, entuser les routes de bitume, remplissent les geôles et les bancs publics de ma cité ne le sont pas vraiment. On y côtoie un seul public qui se prépare à un avenir anonyme et pesant. Et il s'efforce à être drôle quand ça ne l'est pas vraiment. Et se disent qu'il n'y a pas d'école pour les hommes de tempérament. Et s'amuse à jouer les cow-boys, sachant que ce sont eux les Indiens. S'entraîne à se battre sur des Game Boy. S'entraîne à être mieux que rien. Ouais, c'est mieux que rien. Mieux que des restes, ils voudraient être simplement des êtres devant qui l'on admet maintenant que des nôtres se sont payés et se paieront héréditairement. Maman. Merci.